That's your Zaga line. Ça c'est Zaga. Non. Pas Zaga One, non? Ça c'est pas Zaga, ça c'est écrit ici là. Non, ça c'est pas Zaga One. Parce que lui aussi fait le remix, c'est ça? Zaga One. La famille. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. C'est Assassin Rap Game du 6-7 concept. Comme promis, on devait se retrouver pour un direct, essayer de parler de l'actualité, de ce qu'on prépare pour le confinement et après ce confinement. L'avant et l'après-confinement. Donc, nous sommes là, on attend vos réactions, vos questions, nous sommes là pour vous. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de H2O et de ma mère Mia Jam. Vous connaissez quand même la fête que le mien a fait. Ouais. C'est H2O, déjà Mbolo, la famille. C'est juste pour vous dire que nous sommes bel et bien là confinés. Donc, je pense que on va lancer le direct dans peu de temps. Pour vous parler déjà de nos projets avant confinement, pendant le confinement et l'après-confinement. H2O aussi, cette concept, toi même tu know. Ça c'est le Kulumia Jama. Bonjour, bonjour, bonsoir, c'est Mia Jama. Et donc, comme le disait bien H2O, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Avenir, passé, présent, bon, vraiment, ce sera de la balle. Donc, nous sommes en train de préparer des trucs. C'est monstrueux. Et vraiment, il va falloir vous connecter. Et puis, on aura le temps d'éplucher tout ça. L'homme qui avance en maille, a fleur, côté d'Albert jusqu'en bas, il y a des mers sur maille. Bokabé. Yo. Est-ce que vous êtes là, les gars? Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous, posez-nous vos questions. C'est le chef du déballage. Le déballage en chef. Le ballot des ballots. Il y a un qui nous écrit déjà là. Mabino. Camis. Ouais, Camis, top. J'espère que tu vas bien. Nous, ça va. On est là. Voilà, c'est tranquille. Jeffrey demande, c'est quoi l'actualité de H2O? L'actualité, bon, lui-même il va te répondre, hein. Il va te répondre, il est là. Va te répondre par rapport à son actualité, il n'y a pas de problème. Il arrive. On attend vos questions, les gars. Connectez-vous, partagez. C'est le 6-7 concept depuis Franceville, mon gars. Ça dort, les gars. D'abord, hein? Il faut lui dire. H. Bonjour. Ta femme a dit que tu es son artiste préféré. Ah bon? La guitare, ça vient comme ça. Tu viens. Ça dort, les gars, ça dort. On vous attend. Nous sommes dans un direct là. France Vie, Potos, que vous êtes là. Donc, c'est là où vous avez décidé comment on fait le direct. Non, mon gars. Comment tu lances le direct? Il est fou. Salut. La question c'était l'actualité de H2O. Ouais. Oui.
Déjà, Frollo, c'est déjà merci pour la question, c'est H2O. Juste pour te rappeler que H2O est toujours dans le taf. J'ai eu un gros souci avec ma machine, donc j'avais un album qui était presque prêt. Il devait être lancé début 2020. J'ai eu un disque dur qui a grillé, donc tous mes projets ont été supprimés. Donc là, je suis reparti sur la production d'un nouvel album qui sortira, je pense, mi-juin, mi-juin, début juillet. Donc H2O toujours dans le taf. Il y a plein de surprises de featuring avec Assassin du Rap Game, Mia Jama, la relève du hip-hop altogovain aussi. Donc les petits qui sont très talentueux que par mon canal, sûr et certain, vous allez découvrir. Merci TTL, je vois le message. Salut à vous surtout. Courage 67 Concept Forever. Peace Fro, on est ensemble. Ah! Yeah. Romain, tu vas à quoi? Viens d'abord. Jo, les gars, on attend vos messages, on attend vos questions. On est là pour 30 minutes, je vous rappelle, 30 minutes, c'est pas beaucoup. Okulu H, bonjour, ça c'est Prince Tetel. Prince Tetel. Bon, il va te répondre, hein. Ah, il est là, juste à côté. Dis quoi? Yo, poto! Big up. On dit quoi là-bas, le Maroc? C'est bon là-bas? Nous, toujours au bled, mon gars. Toujours dans le taf, comme tu connais. J'espère que de ton côté aussi, ça pousse. Plein de surprises. Faut rester connecté. L'avenir, c'est devant, Prince. Peace. Bon, Prince, j'espère bien que tu es satisfait. Une question pour Mia Jama. Mia Jama n'était plus à Franceville. Il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lui-même va te répondre, gars. Même il est là. Ok, d'accord. C'est Mia Jama, l'homme qui avance à Maya. Flo, écoutez d'Elbeuf jusqu'en Maya et des mers sur Maya. Aucun hal. Toujours si cette concept représente. Ben d'accord, donc c'est pour des raisons professionnelles. Donc je suis là, je pars, je reviens. Et c'est toujours dans la même forme, quoi. Toujours, on n'oublie pas l'équipe qui gagne. Donc je suis avec les frangins, H2O, Assassin du Rap Game. C'est pépère. Donc je suis en train de préparer des trucs. Déjà avec le skill beat qui est monté en puissance. Ne vous étonnez pas que d'ici là, nous ayons une nouvelle couleur du reggae, du raga, afro et tradi moderne. Parce que là, on est en train de faire mal. Ne vous en faites pas. Donc, ce sera vraiment après le confinement. Il va falloir passer à l'étape supérieure parce que tout ce voilà, il faut vous connecter, il faut poser vos questions. Et on va vous envoyer certainement d'ici là des aperçus, des sons que nous faisons, des titres que nous élaborons et des projets de connexion. Parce qu'il y a des grands featuring aussi, donc il y a des frangins de Libreville qui sont là, qui souhaitent travailler aussi avec nous. Et puis voilà quoi. Donc on fera de très bonnes choses avec eux. Et c'est le Gabon qui gagne, comme disent les autres. Bon, enfin, pour emprunter l'expression. Big up. Yo, la famille. Connectez-vous, les gars. C'est France Vie qui gagne. C'est le G2 qui gagne, les gars. Connectez-vous. Nous sommes là près de vous, c'est pour voir comment vous allez. Et nous aussi. On les salue les gens, faut pas saluer. Connectez-vous, c'est le 6-7 concept, les gars. On vous attend. C'est au direct pour 30 minutes. Vous posez vos questions par rapport au 6-7 concept, par rapport à Assassin du Rap Game, par rapport à Mia Jama. Attends,
Et par rapport à Billy Zane. Bon, juste pour vous rappeler que Billy Zane. Oui, oui, oui. Billy Zane n'a pas pu effectuer des placements pour ce direct. Mais vous posez vos questions, on va répondre par rapport à sa préparation. Okulu H, le 6-7 concept à vie. Oui, grand, toujours je regarde les conseils. Merci pour ce que tu fais. Mais là, si on te paye par internet, moi, c'est quand même. Ce sont les frais? Non, avec les frais. Germélia. Bonjour à vous, notre fierté. Merci, bonjour à toi aussi. J'espère que tu passes un bon dimanche. Voilà. On est là. Je ne sais pas si tu as une question à poser à H2O, Assassin du Rap Game, Mia Jama, Billy Zane, c'est selon. On t'écoute. Nombreuses là-bas à essayer de faire côté. Les artistes sont venus dans ma panne. Venez voir. Yo, la famille, on attend vos questions. Connectez-vous, les gars. On attend les fans qui arrivent, certainement. On attend vos questions, nous sommes là pour vous. Les fans qui arrivent vont certainement vous remettre les 3500. Oui, bon, Assassin du Rap Game. Ça, c'est ce qu'elle nous a dit. C'est justement ça, c'est pourquoi tu dois donner 1000 francs. Assassin du Rap Game, le nouveau déballage. Bon. Yo, Assassin du Rap Game, le nouveau déballage, en fait, c'est un maxi, c'est pas un son. C'est un maxi, c'est un 5 titres. Vous avez Mourimami. Vous avez Jonksa. Vous avez Il faut danser. Et vous avez le nouveau déballage. Bien, maintenant, c'est disponible, tout est disponible sur YouTube. Il suffit de taper Assassin, l'autographe, c'est A2SAC1. Ou encore le label 6.7 concept, 6.7 et concept. Vous allez trouver ça sur YouTube. Et sur toutes les plateformes de téléchargement, vous allez retrouver non seulement le morceau, le nouveau déballage, mais Assassin. Bien, le nouveau déballage n'est pas clippé. Je n'ai aucune solution. Mais par contre, il y a des challenges. La première solution que j'ai trouvée, c'est de donner 10 000. Maintenant, quand tu trouves la deuxième solution, de me remettre la monnaie. Oui, le nouveau déballage disait qu'il y a le challenge qui se fait. Concours de danse, donc tu es danseur. Non. Bon, je crie un peu. Toi, tu sais. On est bien encombré, il y a ces jolies demoiselles. Allez vous embrouiller, quand on vous donne trop l'argent, vous perdez la tête. Et comment ça? Germélia, Samira, H2O, je l'aime tellement. Nous aussi on t'aime. Ah, mais toi tu m'aimes pas quoi, c'est ma H que tu aimes. C'est bizarre, hein. Mbolo la famille, Germélia, Samira, ça va B? Cool non? Ouais, c'est pour dire qu'on est là, demande aux frangines de se connecter, hein. Il y a des grosses stars, il y a des grosses choses à dire. Ta star, merci chérie. C'est vous qui nous faites avancer. C'est ça la musique. Demande aux frangines de se connecter. Il y a des gros docs là. Il y a des docs. Hein? Demande aux frangines de se connecter. Partage le lien. Demande aux gens de se connecter. Ah, on ne chante jamais en direct. Mais on va vous faire... c'est quoi? C'est quelle heure? 15h, non? On vous fera des acapellas, des nouvelles chansons tout à l'heure. On va chanter en direct, t'inquiète pas. Tu connais Mia Jama? Mia est celui qui aime chanter en live. Lui, il aime le live. Vous ne chantez jamais en direct. Oh, Jamila. Allez, on stèle. Mais on ne va écouter quelques prods. Bon, les prods, c'est tranquille tout à l'heure. Bon, on va dire quoi? Il est 14h36 à ma montre.
on va dire aux environs les 16 heures, vous allez écouter les nouvelles prods en exclusivité du H2O, du Assassin du Rap Game et de Mia Jama, du Billy Zane aussi. On n'oublie pas Billy Zane qui n'a pas pu effectuer le déplacement pour ce direct. Mais posez des questions concernant Billy, on va vous répondre. Il n'y a pas de souci. Brenda, salut à toi Brenda. Bon, je n'ai pas compris ton message, hein. NM, c'est pas ce que ça veut dire. Sois un peu plus clair, on va te répondre. NM, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien bruit. Non, on ne sera pas là jusqu'à 6 ans. C'est pas évident. Franceville, est-ce que vous êtes là? Franceville non-stop. Potos Mbaya. Mangungu, Saint-Hilaire. Wendje Mamadou Mangungu. Wendje, Katché Sab. Connectez-vous les gars, on vous attend. Billy Zanapa. Oh, comment ça? Non, il n'a pas pu. Là, c'est pour des raisons personnelles, en fait. Donc, il a un petit souci. Pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer, là. Là, il y a un petit souci. C'est pas le taxi, non. Parce que Billy n'est pas au taxi, il est véhiculé. C'est pas pour les raisons du taxi. C'est pour les raisons personnelles. Un milliard, celui-là. Je vois maintenant que c'est lui qui a donné la force au sein chez toi. Un a capella, un a capella. Bon, je vais laisser mon aîné faire la capella. Moi, tout ce qui est. Mia Jama, j'espère que. Mais il y a tes écouteurs parce que ça va être chaud. Hein. Vraiment avancé. Bon, maintenant, le rap, le travail sur le fait. Beaucoup de gens chantent. Un a capella. On va garder ça pour la fin. Yo! Belle, jolie petite demoiselle, comme tu es belle, avec une beauté sans pareil. Pour toi je toucherai le ciel pour goûter à ta douceur et ton amour exceptionnel. Et man, pour toi je toucherai le ciel pour que tu puisses comprendre qu'il n'y a que toi que j'aime. Oui. Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu me fais mal? Yal. Pourquoi tu me fais mal? Pour toi, je chanterai tout bas. Je chanterai tout haut. Je chanterai tout bas. Je chanterai tout haut. Big up, Mia Jama sur ma page officielle, Mia Jama officielle sur YouTube, Mia Jama belle, tu as le truc, tu likes, tu laisses un commentaire et c'est top, ça marche. C'est LBV, c'est Pog, c'est Tubanga, c'est Mouila, c'est toutes les provinces, c'est le Haut-Ogooué qui l'emporte. Big up. Yo, la famille, est-ce que vous êtes là? Il doit me dédicacer dedans. Je vais me vanter auprès de mes amis. Oh, il n'y a pas de souci, il va te dédicacer. Mais maximum de partage le direct. On veut plus de questions, plus de réactions. Voilà, vous êtes plein qu'on n'est jamais, en contact. Les artistes de Franceville ne sont pas là pour vous. Voilà, là maintenant, on a l'occasion d'être là. Vous avez 3 artistes du label disponibles pour vous ce dimanche. Connectez-vous, posez-nous vos questions par rapport à la musique, bien sûr. Et on est là pour vous, on va vous répondre. Franceville, ça dort. Et quand ça dort comme ça, c'est qu'il y a un problème. On attend vos questions. Raphaël, comment Okulu H. Quelques instants, il va venir te répondre, Raphaël.
Pas de souci. Yo, la famille France Vie, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On est en direct. Ça se passe aussi, cette concept. Avec H2O, Assassin, Mia Jamé, Billy Zane. Yo, la famille, connectez-vous. Mais ça dort, il est 14h, bientôt 15h là. Franceville, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Non, mon mic, c'est Assassin du Rap Game. Ouais. Assassin du Rap Game, le Big Nyama. C'est là où j'ai vu que non, lui là, c'est le des Jamia. Jamila dit quoi? À FCF, on a tellement de talentueux artistes, mais comme vous, comme nous sommes méchants, on ne connaît valoriser nos artistes comme c'est triste. Da, Jamila, Samira, on va te dire quoi? C'est pas seulement France Vie, c'est le Gabon. C'est comme ça, c'est le Gabon, mais bon. Nous sommes habitués à ça, on fait avec. On fait vraiment avec. Et puis, comme on dit toujours, hein, il est prophète chez soi. Voilà. Donc on est chez nous. Et c'est juste triste et dommage, mais bon. Le monde ne s'arrête pas là. On continue, on avance, malgré tout ce que les gens disent, malgré tout ce qui s'est dit sur nous. Ou encore... autour de notre musique, mais bon, on garde la tête haute avec le Seigneur toujours devant et on avance. Voilà, tout ce qu'on a besoin, c'est de ton soutien à toi, Samira. Plus tu nous soutiens, c'est toi qui nous donne la force. Il n'y a pas un peu, Raphaël, il n'y a pas un petit truc là. Bon, je sais pas ce que j'entends par truc. Le truc, c'est quoi? C'est un peu plus clair, Raphaël. La famille, ça dort. Franceville. C'est le G2. Mwanda, Lekoni, Okonja. Ouais. Mia Jama est bon. Tu n'as encore rien écouté, gars. Comme il a dit, va sur sa page. Tu auras toute sa bonté. Mia Jama officiel. Sur YouTube, tu tapes Mia Jama. Un texte, une chanson. Raphaël, un texte, une chanson de qui? Mia Jama, Assassin ou H2O, gars? Mais Raphaël, ne t'inquiète pas. H2O sera là pour toi dans quelques instants. 5 petites minutes, il sera là, il va te répondre tranquillement. Maman, vous, il passe avec les bidons, je reviens de là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens, ils sont tous les distribués déjà l'eau. Franceville. Beaucoup ne sont pas
Franceville et l'Orab. Bon, Franceville et l'Orab, je ne sais pas ce que tu entends par Franceville et l'Orab. Maxime, sois un peu plus clair, pose vraiment ta question directement, quoi. Franceville et l'Orab, bon, je ne sais pas. Il y a tellement de choses dedans que, bon, on ne sait pas par où commencer, en fait. Pose ta question clairement et tu seras répondu aussi de manière bref, concis et précis. La famille, vos questions. Je vous dirai, commence à tirer à sa fin. L'actualité de Billy Zane. Bon, Billy Zane, il est en studio. Voilà. Il prépare son maxi single. Il prépare son maxi single qui sera disponible si Dieu le veut. Début août. Si Dieu le veut, bien sûr. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a que nous sommes en période de confinement, il y a le Covid, le corona qui nous perturbe, donc c'est difficile de sortir une chanson maintenant. Donc, tout ce qui s'est fait avec, autour de Billy Zane, c'est que pour l'instant, il est en studio, il enregistre, et donc, début août, vous aurez le tout complet Billy Zane, ce qui est certain. C'est la distraction. Penda. Mais les vidéos de Billy Zane. Bien, je pense que Billy Zane, il a une vidéo qui est disponible sur YouTube. Le titre, c'est... Quoi le titre, là? Ah là là. Bon, en tout cas... Vous allez sur YouTube, vous tapez Zanbi, Z-A-N-E et B-Y. Vous avez sa vidéo, je pense. Voilà. Sinclair et Zang. À quel niveau, bro? Bon, Sinclair, on est là, confiné, mais bon, on travaille toujours. On espère que toi, ça va, la famille aussi, ça va. Sinon, on est là, tranquille. Mia Jama a-t-il un album, un maxi ou... Bien, lui-même va vous répondre. Il va vous répondre lui-même. Penda, je pense. Il va te répondre. Mia Jama a fait. Ok. Ben, je comprends la question. En fait, ça ne tient qu'à moi, c'est personnel. Et donc, je pense que avoir un album ou un maxi, des fois, c'est un peu contraignant. Tous mes titres sont des singles. Tous mes titres. J'ai fait un maxi de 8 titres, un seul que j'ai fait ici dans le Haut-Ogooué quand je suis arrivé en 2015. 2015-2017, j'ai fait un maxi de 8 titres, de très bons titres d'ailleurs. Et donc, dedans, on avait quoi? On avait Diaspora, on avait Belle, on avait Odimbu, on avait Seul Reine, le titre mythique que certainement beaucoup de personnes connaissent. Donc, voilà. Il n'y a que Malova, seul reine de la soirée. Il n'y a que Malova, seul reine de la soirée. Il n'y a que Malova et qui a bien confirmé. Et là-dessus, je suis avec le cacique des caciques, H2O. Donc, pour ceux qui ont ce titre... Ne vous posez plus de questions qui rappe, ou c'est Mia, ou c'est... Non, c'est H2O. Voilà, et Skill Beat, toujours dans le mix, toujours dans la prod.
Ok, donc c'est ça, il y avait tellement de titres, il y avait 8 titres, je disais. Alors, je suis en train, là encore, d'être convaincu par H2O toujours, de faire un nouveau maxi. Et c'est un nouveau maxi qui va s'échelonner à 6 titres. Donc, c'est un maxi linguistique, on va dire, qui est un peu plus dans tradit moderne. Donc, on aura certainement une autre facette de Mia Djama, une autre facette de H2O, parce que là, la programmation change et elle devient vraiment haute. Donc, du coup, ne vous en faites pas, la voix est là, la technique est là, le talent est là. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc, c'est ça. Yo, il y a déjà beaucoup. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a Sinclair. Ok, coulou, coulou. Si c'est le concept, à quel niveau? Une chanson. Bon, Raphaël. Sinclair, Raphaël. Pose des questions à H2O. De ce qui se passe dans le 6-7 concept. Et puis il y a Samira encore. Hein. Samira. Qui dit à FCF, on a tellement de talentueux artistes. Mais nous sommes méchants. On ne connaît valoriser nos artistes. Comme c'est triste. Bon. Sinclair. Raphaël. Samira. H2O. Yo! Mbolo, la famille, on va dire quoi, Samira, déjà pour rappeler que nous on fait la musique, c'est d'abord par passion, on aime ce qu'on fait, ceux qui aiment ce que nous faisons nous encouragent, ceux qui font semblant de ne pas aimer mais qui dansent nos chansons en cachette nous encouragent aussi, parce que on se dit loin du cœur, loin des yeux, près du cœur. Bon, c'est le Haut-Togo, c'est le Gabon en général, c'est l'Afrique en général. On se dit c'est parce que nous sommes sur place que les gens ne valorisent pas ce que l'on fait. Lorsque nous on sort de Franceville, on sort des frontières de Franceville, on se retrouve à Lekoni, on se retrouve à Bongoville pour des shows. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui apprécient énormément ta musique. Tu fais danser des gens, tu fais même parfois pleurer. Mais qu'il y a des gens qui prennent le courage à deux mains de venir vers toi et te dire que franchement, chapeau pour ce que tu fais. Ça nous donne du baume au cœur et franchement, on apprécie. Donc, nous, on fait la musique d'abord par amour. Après, c'est parce qu'on a des choses à dire. On fait la musique pour conseiller, pour consoler, pour informer, pour sensibiliser la population, la jeunesse. Donc, celui qui aime, il aime. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas. Même Jésus, il n'a pas été aimé de tous. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des hommes faits de chair et de sang. Donc, ça ira. La prochaine question, Sinclair. Ouais, bro, ça va, tranquille. Toujours en direct. Nous sommes là en plein confinement. On demande aux gens de rester confinés parce que le corona, c'est un fléau qui touche tout le monde. Donc, respectons les mesures barrières. Évitons de se saluer, respectons les distanciations, portons le toucan et restons chez nous. Cool. Ouais, c'est pour dire quoi, déjà vous annoncer que dans peu, il y a 3 maxi qui sortiront. H2O sera un album qui était déjà presque terminé, mais avec un problème technique. J'ai mon disque dur qui a grillé, donc j'ai perdu tous mes fichiers. Plus de 18 titres qui se sont égarés. Donc là, je reprends l'album à zéro. On va dire qu'il y a déjà pour cette année déballage d'Assassin du Rap Game qui est sorti, qui a tourné très fort sur toutes les plateformes de téléchargement. Déjà, on va dire sur le plan national, sur le plan international. On va dire que la promotion de déballage s'est faite déjà en local. Et en national, c'est une chanson déjà qui a accroché. Donc d'ici peu, Assassin, il est en studio pour finaliser son maxi. Il y a le titre Le Malhonnête qui sortira d'ici peu. La prod a été posée, tout est calé. Donc
Nous sommes en studio, comme nous on dit, au Mbanja. Nous sommes des Africains, nous sommes initiés au Bwenze. Donc, en tant que bon initié, c'est nos locaux de notre studio où on fabrique nos petites grenades pour les gens. Il y a Mia Jama aussi qui est en train de terminer. Comme il vous a dit, il a son maxi qui sortira d'ici peu, mais avec un changement de coloration parce que tous ceux qui connaissent Mia, ils connaissent Mia un peu sur le plan du reggae. Aujourd'hui, vous allez découvrir Mia Jama sur une autre facette parce que Mia Jama, c'est d'abord un chanteur et il va revenir, il viendra sur ce maxi, sur la facette tradi moderne. On va retrouver un mélange d'afro-trap, tradi, de trap tradi. On va repartir dans les sources même de notre pays parce que faut souligner que le Gabon est un pays riche en culture. Donc, l'artiste Mia Jama va vous faire découvrir son maxi single qui a plein d'autres colorations que peut-être vous n'avez jamais écouté, cette facette-là de Mia Jama. Donc, nous sommes là. C'est un énorme plaisir déjà de dire que vous nous soutenez, de voir que vous nous soutenez, vous êtes avec nous et vous faites de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, restez connectés. D'ici peu, on va se diriger vers le studio. Déjà, pour ceux qui seront toujours connectés, vous aurez toutes les actualités. Ça veut dire que vous allez écouter toutes les nouvelles chansons qui sortiront d'ici peu. Ce qui se fait pendant, avant le confinement, ce qui s'est fait avant le confinement, ce qui se fait pendant le confinement et ces morceaux-là qui sortiront après le confinement. Donc, restez câblés. Peace and love, H2O. On est ensemble. Yo, yo, la famille. Le grand, il parle beaucoup, non? Vous avez compris? C'est un père spirituel, donc... Il ne comprend pas. Un père éducateur, un père spirituel. Va derrière. Donc, vous avez tout compris. Derrière, là-bas. Oh, il va. Ça se calme toujours. Ça se calme. Oh, mais c'est... Yo, yo, France Vie, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On partage. Posez vos questions, nous sommes là. Est-ce que tu as la bonne aussi? Il nous reste combien de minutes là? Je pense 10 minutes. Après c'est fini, au direct. Est-ce qu'il a... Tu as annoncé qu'on aura une lettre? Il a annoncé qu'on aura une lettre. Ça c'est un speeder. C'est comme H2O vous disait tout à l'heure. Vous allez écouter ce qu'on a fait, ce qu'on fait, ce qu'on prévoit de faire. Il nous reste 10 minutes. Après, on se retrouve tout à l'heure. Donc, on va prendre 3 dernières questions. Faut que ça bouge. Soyez sur la barre. On attend vos questions à la famille, les questions. Déballez, nous vous faut déballer. Oh, les questions, on attend. Oh, Pay strong. Ah. Pistrong, yo, gars, on dit quoi? J'espère que tu te portes bien. Pendant cette période de confinement, on espère que tu es bien confiné. Voilà, parce que le Covid-19, gars, ça bastille. Hein. Voilà, j'espère que tu te portes bien. Et tout à l'heure, yo, H2O, Pistrong. C'est Emma, baby. Oh, Emma, baby. Non, t'inquiète pas, gars, il va te répondre. H, il est là. Oh, Moto Nangai, ça c'est mon propre fils là. On dit quoi, Mani? Popo, non? On est là, même si tu m'as zapité un petit. Keba, faut revenir voir le boss là. Non, il a écrit. Tu as vu? Je suis avec Pasta. Toujours, on ne se sépare pas. Hein? C'est toi là qui te vortalises avec la barbe comme Arafat, tout ça.
Emma, il y a le boss qui te sissi à la donc, Mani. Tu as intérêt à venir voir le boss. Tu m'as zapité. Ouais, ouais, je sais que tu as changé le blaze sur Facebook. Je sais, je sais. Je sais que c'est toi. Tu restes quand même Mouna Fouankama. Popo, non. On est ensemble, Mani. Mais qui l'a vu ça? On est venu aussi dans tout le monde. Yo 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 yo. Carmis. 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 Non, oui. Carmis, il y a R dedans. Carmis. Yo, assassin, on a kiffé bouche B. Le premier texte, les violents. Tu parles de quoi? Ah, bah, bouche B, ouais, bouche B, en fait, c'est le titre du maxi, le déballage. Voilà, c'est clippé. Ça passe en télé et en radio. Du côté Libreville, Franceville aussi. Bien, le premier texte, c'est, on va dire quoi, c'est une petite colère personnelle. Envers tous les frangins qui ont pensé que je peux pas travailler avec H parce que je suis étudiant, tu vois un peu, non? Non seulement il y a eux, mais il y a aussi ceux-là qui, au niveau du centre, qui, au niveau du centre aussi, ont parlé de la même chose. Que oui, voilà, assassin, comme il marche avec H, il est sous, on va dire quoi, sous couverture de H, il se permet de faire des choses, il se permet de dire des choses, bon. Donc c'est un coup de gueule, tu vois un peu. Voilà, comme nous, on sait parler avec les mots, on ne parle pas avec la force, mon gars. Tu vois un peu, non? Donc le premier test, tu l'écoutes bien, c'est à eux, à ces personnes que je parle. Mais quand cela ne tienne, comme je suis à la bonne école, tu vois un peu, j'écoute les conseils, j'écoute tout ce qu'on me dit. Donc le grand m'a dit, non petit, calme-toi, c'est ça le showbiz. On va toujours parler comme ça. Tu vois un peu, non? Donc on laisse tomber. Donc je sais qu'il fait en sorte qu'aujourd'hui tu m'attaques, bon, ça ne fait rien quoi, c'est assassin du rap game. Tout ce que j'ai à prouver aux gens, c'est montrer que la musique, en étant à l'intérieur du pays, peut faire mal sur elle-même. Tu vois un peu. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qui compte. Tout le reste, tout ce que les gens diront autour, bon. C'est à eux de dire les choses, quoi. On avance. On travaille pour. Et on se donne les moyens pour réussir. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, bouche B. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Oh, Pistron, vous êtes où? Ouais. Où je... Attends, le coulou va te répondre, gars. Moi... Il dit quoi? Emma dit quoi? Il dit, vous êtes où? Je viens. Ah, attends, le coulou va te répondre, gars. Voilà. Et lui, c'est chez le général. Moi, j'ai les yeux bleus. Tu vois pas que les yeux sont bleus? C'est bleu, man. C'est bizarre. C'est bizarre. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes direct après, on va se laisser pour, on va dire, quelques heures, le temps de nous retrouver avec tous les frangins qui veulent écouter les nouvelles prods du 6-7 concept. Donc, c'est tranquille. Ah, H. Hein? Ben, Pistron, il dit que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Il veut les bières. Mon gars, tu veux les bières? Mais les bières sont restées avec le corona, gars. On fait comment? Emma, c'est un frangin. En tout cas, de toute façon, ton cool va te contacter. Hein. A pas de problème. Il veut les bières. Popo, nia. La famille, 4 minutes. Après, on se laisse. 4 minutes après on se laisse. Déjà, on va remercier déjà toutes les personnes qui ont été connectées, qui nous suivent et qui ne cessent de nous soutenir. Le combat, il est difficile, mais parce qu'on sait que vous êtes là, ça nous donne la force. Donc,
À vous. Merci, 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 merci. Merci encore. Et on espère que d'ici peu, vous auriez toutes les actualités concernant le 6-7 concept. Voilà, parce que il faut dissocier les choses. Hein. 6-7 concept, c'est le label, c'est pas H2O. Comme certains le disent là. Voilà. Est-ce que la Big Family est là? Personne encore sur le direct, mon Dieu. Un Kepema. Yo la famille. FCF, soyez chaud là-bas. Comment? On est confiné, non? Vous êtes en case? Donc soyez chaud ou bien? Trois minutes. Maintenant, à toutes les personnes qui n'ont pas pu être en direct, vous laissez vos commentaires. Voilà. Ce qui est certain, c'est que vous serez, on va vous répondre. De toute façon, on est là pour vous. Notre page est là. Si c'est le concept, c'est là. Toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui va toujours répondre à vos messages par inbox ou voilà. Comment se procurer les anciennes chansons de H2O? Comment se procurer? Bon, c'est simple. C'est simple. Pour se procurer les anciennes chansons de H2O, c'est simple. Vous allez sur YouTube. Vous lancez la recherche H2O. Vous tapez le titre de la chanson que vous cherchez. Ça va sortir et vous téléchargez. C'est simple. Ou encore, pour ceux qui sont de Franceville, vous allez chez les distributeurs, Apotos, il y a Murphy, il y a DJ, voilà. En face du Cicado. En fait, tous les distributeurs de Franceville, quoi, les gars qui vendent la musique, là. Vous demandez des anciens H2O, je pense que vous serez servi. Pour ceux qui sont en Franceville, là, pour ceux qui sont à Libreville ou dans le monde, il n'y a que YouTube. Vous allez sur YouTube, vous téléchargez. Ou sur les plateformes de téléchargement du Gabon. Je pense comme ça, d'ailleurs, c'est Gaboma. Waz Music. Gaboma Tune. Ou encore Actusic. Voilà. Franceville, Ekoni, Mwanda, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Okonja. Il nous reste peu de temps, les gars, il nous reste peu de temps. Il y a 15 heures, il nous reste peu de temps. Et oui, c'est vrai, il nous reste peu de temps. Je pense qu'on est en train de courir à la fin de notre direct. C'est Mia Djama. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien vous dire dans ces dernières minutes de fin? Et c'est de continuer à nous encourager, c'est de continuer à nous suivre. C'est de continuer à participer pour que les produits du Haut-Ogooué, donc en général du Gabon, soient des produits de qualité. N'oubliez pas et n'hésitez pas à critiquer, parce que la critique, ce n'est pas de la jalousie, la critique, ce n'est pas de la méchanceté, la critique, ce n'est pas de la haine. Donc la critique, c'est celle qui permet d'avancer, surtout quand elle est positive. Donc voilà. On ne vient pas critiquer aussi pour insulter, non, c'est pas ça. Donc voilà, il faut continuer à œuvrer pour encourager les artistes et continuer à vivre avec eux dans le quotidien. Voilà, vous avez l'avantage pour ceux qui sont à Franceville de voir et de côtoyer les artistes
et puis de leur poser vivement des questions en direct, et puis bon, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Alors, donc voilà, c'est Mia Djama, l'homme qui avance à Maria, Flo, qui est dans le bas jusqu'à Maria. Big up. Yo, 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 la famille, la famille, la famille. On a quoi? Ah, maintenant, on est bizarre, oh. Pom, na. Ah! La baisse m'a cru mal, hein. Le pom, na, là, quand même. C'est la pomme d'Adam. Bon, tu le gardes, Mabuku. Ah, Mabuku est connecté. Mais c'est... On est en train de finir, on dit, hey, mon gars, Mabuku, là-bas, c'est compliqué. Tu es en retard. Non, on fait comment? C'est quoi ta question? On t'écoute rapidement. Tu as une question pour H2O, pour Mia Djama, Assassin ou Bilizan? C'est selon? C'est une question pour H2O. Pourquoi H2O n'a pas assez de vidéos? Bien, bon gars, reste connecté. Lui-même va te donner la réponse. Je pense qu'il a assez de vidéos. Il faut voir sur YouTube. Hein. Bon, je ne sais pas. Quand je dis assez, c'est combien? Parce que assez, ça peut commencer à partir de 2. 2, 3. C'est selon. Hein. Lionel. Batista Yangari. Lionel Batista Yangari. Le 6-7 concept. Yes, man, on est là. Toujours en finale. Toujours en finale. On espère que tu te portes bien et que tu respectes les mesures de confinement. Voilà, mesure barrière. Parce que cette pandémie-là, c'est bizarre. C'est vrai que dans le pays, on voit ça un peu bizarre, mais quand même, il faut prendre ses précautions. Un dimanche, pour que tu te portes bien avec la famille, tranquille. Lionel, Batista, Yangari. Cool, cool. Laisse-moi répondre à la question du gros là. Pomme Chaka, le type de... Mabuku et puis Lionel Batista H2O, voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos. Salut. Bon, déjà je veux répondre au niveau des vidéos. Vous savez, nous sommes des artistes et en tant qu'artiste, la musique va avec les moyens et tout ce qui connaissent depuis quand j'ai lancé, on va dire, ma carrière musicale, ils vont dire que c'est 2012, mais c'est pas 2012. 2012, c'est l'année où j'ai sorti les chansons qui ont marché sur le plan provincial et sur le plan national. Et même dire, ces chansons-là ont fait le tour des capitales africaines. 2009, ouais. 2008. Donc, 12, c'est on va dire, c'est le boom, c'est le départ officiel, en fait, où tous les Gabonais... Écoute H2O. Et on va dire qu'en 2012, j'ai sorti plein de clips, mais plein de clips qui n'étaient pas forcément de qualité. Et aujourd'hui, je me dis, nous sommes passés dans un air où il faut apporter les gens la qualité, non seulement sur le plan vidéo, et aussi sur le plan audio. Ce qui fait en sorte que un certain temps, je me suis privé de tourner les clips pour éviter de tourner encore des clips qui sont remplis de critiques négatives. L'artiste, c'est celui qui évolue. On va dire que de 2012 à 2020, il y a eu de l'évolution. Il faut que je progresse. Donc, pourquoi je n'ai pas suffisamment de clips? En 2012, la partie 2012, ma carrière, 2012, 2013, 2014, 2015, il y a plein de clips qui ont été tournés. Mais des clips qui ne m'ont pas forcément satisfait, mais qui ont représenté les chansons. Donc aujourd'hui, j'attends que mon nouvel album puisse être dehors et avec le manager de la structure,
choisir quels sont les clips, quelles sont les chansons qu'on pourra clipper. Donc, Frollo, merci déjà pour la critique. On va faire les choses propres. Hier, en 2012, on était tout jeunes. Aujourd'hui, on a pris non seulement de l'âge, on a pris de l'expérience, ce qui fait en sorte qu'on ne veut plus se lancer dans des projets précipités. Les choses se feront proprement et dosées. Merci. Lionel Batista, ouais, 6-7 concept. Meilleur groupe engagé 2008. Yes, avec mon pote le Fab. Super. Aloïse Moulon. La chérie Coco. On reste connecté. Même si tu nous as zappité, on attend toujours les titres. Depuis Elbev. Nous sommes là, toujours dans le taf. Zanbi. Non, Zanbi n'est pas là. Zanbi, il a eu un petit souci. On devait se retrouver. Normalement, le direct était fait pour 16h. Mais vu qu'on se retrouvait au studio chez un papa à nous, donc Assassin a décidé de lancer le direct. Normalement, le direct était censé être lancé au studio chez nous dans les locaux du 6-7 Concept. Mais le fait qu'on se retrouvait hors des locaux du 6-7, il a lancé le direct. Donc, dire déjà que restez connectés dans peu de temps, juste le temps que le confinement termine. Plein de nouveautés, plein de vidéos. On revient, on va renaître. On renaît de nos cendres. Donc, restez connectés. Merci, Brad, fils Okala. C'est vous qui faites de nous les kings, mon gars. Ouais, Zanbi en case, Chéri Coco, Zanbi en case. Il va arriver. Merci, Lionel. C'est ce qu'on attend de vous, c'est le soutien. C'est ce qui nous donne le courage de continuer ce qu'on fait. Parce que vous savez que ce qu'on fait, il n'y a pas de producteur derrière. Il n'y a pas de gros moyens. On le fait vraiment avec les moyens de bord. Et toi, tu es un petit de la maison, tu sais. Tu sais, Lionel. Donc, nous, on n'a pas quelqu'un derrière nous. On n'a pas des gros moyens derrière nous pour dire que telle personne a financé tel son, telle personne a financé tel projet de H2O, d'Assassin ou de Mia Jama. Personne ne finance rien. Tout ce qu'on fait, on fait avec notre structure, qui est le 6-7 Concept. On fait avec nos connaissances, on fait avec nos inspirations. Personne ne nous gère financièrement derrière. Donc, à un moment donné, s'il y a des choses qui lanternent un peu, simplement parce que nous ne sommes pas accompagnés aussi sur le plan financier. Certains artistes aujourd'hui sont très en vue, simplement parce qu'il y a toute une machine de production derrière, il y a toute une machine de management, il y a toute une machine promotionnelle derrière eux. Nous, on fait avec les moyens de bord. Oui, le boss. Oui, je viens. Donc, j'espère que, franchement, vous nous comprenez. On vous annonce des grandes choses. Ouais, Brad, tu auras l'album Le Cancan de Boy. Il y a tous les titres que tu connais. Ma polaire, titres sont dedans. Tu auras l'album Le Cancan de Boy. Super. Lionel, merci encore. Courage. Vous faites de nous ce que nous sommes. Tu veux le son rap avec Zeus Khalifa. C'est Harris Lamar. Ok, sans souci, bro. Inyankeli, oui, ok, sans souci les gars. Tous les titres seront, on va dire que ceux qui connaissent, ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, sur notre face officiel du label, faites les messages, laissez les numéros de téléphone, WhatsApp, pour qu'on puisse vous envoyer déjà tout ce que vous voulez, que ça soit nouveauté. D'ici là, on va lancer les liens qui vont annoncer. On va lancer les liens qui vont annoncer les sorties des maxi de tous les artistes signés 6-7 Concept. Donc Mia Jama, Assassin du Rap Game, H2O. Il y a des petits aussi, comme vous savez, depuis la nuit des temps, le 6-7 Concept fait dans la formation. On va dire qu'on a, nos petits frères qui viennent derrière nous. Donc à l'époque, vous avez connu le 6-7 Magnum. Donc il y avait le 6-7 Concept. Et il y avait le 6-7 Magnum. Donc, restez connectés. Plein de nouveautés, plein de grandes choses arrivent. Priez beaucoup pour nous. Priez pour vous. Restez en santé parce que je pense que le meilleur est à venir. H2O, le cancan de Boy, toi-même tu know. Peace and love. Assassin de rêve. Game! Voilà, famille, c'est la fin du direct, hein. Voilà.
Okulu, il a tout dit. Donc, on se revoit tout à l'heure. Tout à l'heure ou dans un bref instant. On va dire quoi? Dans un bref instant. Moi, je n'ai pas. Non, l'impro laisse, mon gars. Nous, là, on n'improvise plus. Tu as la barbe, là, non, gars? C'est compliqué. Yo! Alors, on va se décider un peu de rapper pour le plaisir de nos fans. Plaisir de tout le monde, c'est Mia Jam. Pour dire que avant de faire de la musique, avant de faire du reggae, de la tradi et tout ça, on est d'abord de souche rappeur. Voilà. Il n'y a pas le beat, mais on va se faire ça comme ça. 1, 2, texte. Sans son beat, c'est ma tête. Des yeux, une bouche pour dénoncer des traîtres. Ça fait déjà quelque temps que je suis toaster et voilà, ils ne veulent pas me délivrer ma carte. J'ai fait des tests, tout ce qu'il faut, je comprends rien, rien. Je comprends rien, même eux ne me disent rien. Putain de dirigeants qui marchent sur ma tête, mais quand ils marchent sur ma tête, ils croisent mon texte. Que faire pour eux, pour moi? Pour eux, je ne sais rien, mais pour moi, heureusement qu'il me reste ma tête. Ils ne me font pas peur, je suis un rappeur textuel. Ils disent textuel sans son X et son EL. Des injures, alors je fais piquer mon texte. Trop de pléonasme dans mon texte avec texte, mais dans leur tête pue la censure de nos textes. Voici pourquoi dans ce texte, texte et texte, comme pour dire on se fatigue pas d'écrire des textes. Comme ils peuvent être naïfs, voire même grotesques, eux, pas nous, plaignant de tous nos droits de texte. Big up! Yo, 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 tu as eu le freestyle que tu voulais, non, gars? Donc, à tout à l'heure les gars. Bisous. Fini. Boop.